Convient à ton nom dans toutes les villes où ton nom est élevé, reçois la gloire. Oh, de nos cœurs, reçois la gloire. De nos lèvres, reçois la gloire, Seigneur. Saint, 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 saint éternel de ton église, reçois la gloire. Ne t'interromps pas devant toi ce matin. Tu es digne de recevoir, tu es digne de recevoir. Te loue, l'univers entier t'adore, l'univers entier te loue, l'univers entier t'adore. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es assis sur ton trône, reçois la gloire. Alléluia, 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 ton peuple te loue, c'est l'éternel, c'est l'éternel. Est-ce qu'on peut le dire seulement avec nos voix? Reçois, reçois la gloire. Et la louange, Dieu roi des rois, oh Christ notre Seigneur est digne de recevoir. Oh reçois, 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 reçois la louange, la louange. Dieu tu es saint, tu es grand. Ton Dieu que tu adores est grand, reçois. Nous n'adorons pas des idoles, nous n'adorons pas un bois taillé, nous n'adorons pas une personnalité charismatique, mais Dieu qui a fait le ciel et la terre, que tu, une dernière fois, reçois la gloire, Seigneur. À tes pieds, plus rien n'a d'importance, Seigneur. À contempler ta royauté, tout pâlit, Seigneur. Plus rien n'a d'importance. Oh Seigneur, nos soi-disant soucis, les choses qui prétendent être importantes pour nous ne comptent pas quand nous contemplons ta bonté, quand nous contemplons ta royauté. Oh Seigneur, nous sommes là, nous sommes privilégiés d'être dans tes pavis, d'être dans le lieu saint. Par le sang de Jésus devant toi, nous pouvons nous approcher de ce trône de grâce. Nous pouvons nous approcher de ce trône royal. Nous pouvons nous approcher, Seigneur, et entendre ta voix, et être émerveillé devant toi, et te contempler, Seigneur, et être dans l'émerveillement devant toi. Nous sommes là pour cela aujourd'hui. Alléluia. Thank you.
Tu es digne, Seigneur. Oh Jésus, tu es digne. Tu es digne de gloire, digne de louange, digne d'adoration. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Christ, le Fils du Dieu vivant, la parole qui a été faite chair, qui habite au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous sommes venus contempler ta gloire, contempler la gloire de ta parole. Nous sommes venus contempler, contempler tes merveilles. Nous sommes venus admirer ta sagesse, ta vérité, ton autorité. Nous sommes venus célébrer ton saint nom, car il n'y a point de nom semblable à ton nom. Ton nom est souverain, souverainement élevé dans les cieux, sur la terre, en ce lieu, dans nos cœurs, dans nos vies, sur l'Église. Il n'y a pas un autre nom. Un seul nom nous a réunis ici. C'est ton nom, Jésus. Nous reconnaissons la suprématie, la souveraineté, la majesté, l'autorité de ton nom. Ton nom est grand et très digne de louange. Reçois l'adoration qui monte des cœurs reconnaissants. En esprit et en vérité, nous t'adorons. Nous t'adorons toi seul, toi seul, toi seul, Jésus. Reçois encore la gloire. Parle-nous comme un roi parle à son peuple. Parle-nous comme un père parle à ses enfants bien-aimés. Parle-nous comme un ami parle au cœur de ses amis. Parle-nous comme un maître parle à ses disciples. Parle-nous, car toi seul as les paroles de la vie. Parle-nous par le Saint-Esprit. Parle-nous uniquement par le Saint-Esprit. Et que tout soit pour ta gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication, ou la communion, plus exactement, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. C'est la salutation. Je ne vous ai pas dit bonjour, vous voyez? Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Alléluia. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Point. C'est ça notre titre. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Que peut-on éteindre dans la vie? Que peut-on éteindre? Que peut-on éteindre? Le feu, quoi d'autre? La lumière, quoi d'autre? Pardon? Allez-y, allez-y. La télé. Vous n'avez pas tort. Mais ça nous éloigne un peu. Que peut-on éteindre? Une lampe.
N'est-ce pas? Que peut-on éteindre? Essayez de raisonner avec la Bible. C'est-à-dire, dans la Bible, il n'y a pas d'ampoule. Oui? La foi, la flamme, c'est ce que je cherchais. On peut éteindre une flamme, on peut éteindre un feu, on peut éteindre une lampe, on peut éteindre une lumière. Alléluia. Et nous pouvons voir, comprendre le travail du Saint-Esprit dans ces quatre dimensions, en tant qu'une flamme, en tant qu'un feu, en tant qu'une lampe et en tant qu'une lumière. N'est-ce pas? On ne peut pas éteindre le Saint-Esprit en tant que personne. Vous comprenez ça? Quand il est dit de ne pas éteindre le Saint-Esprit, on ne fait pas allusion à sa personne. On fait allusion à quelque chose qui produit dans l'esprit du croyant. Il produit la flamme, il produit le feu, il allumente une lampe qui produit la lumière. Si l'apôtre Paul nous dit de ne pas éteindre l'esprit, il est en train de nous dire que l'esprit peut être éteint. N'est-ce pas? Voilà. Parce que s'il était impossible qu'il ne s'éteigne, on ne nous dirait pas ça. Il y a un risque que l'esprit ne s'éteigne dans la vie d'un croyant. Autrement dit, que sa présence s'en aille et que nous ne bénéficions plus de sa flamme, de son feu, de sa lampe et de sa lumière. Et j'ai l'habitude de nous dire de ne pas avoir une mentalité négative, n'est-ce pas? Si l'esprit peut être éteint, une flamme peut être éteinte, n'est-ce pas? Mais elle peut aussi être entretenue. N'est-ce pas? Quand on entretient une flamme, elle ne s'éteindra pas. Pas vrai? Donc une flamme peut être entretenue, un feu peut être entretenu, une lampe peut être entretenue et une lumière peut être entretenue, n'est-ce pas? Quand on entretient un feu, il ne s'éteint pas, ok? Mais on peut aussi l'augmenter ou l'attiser en bon français, pour ceux qui parlent bien français parmi nous, n'est-ce pas? Une flamme peut être augmentée, attisée, n'est-ce pas? Un feu peut être augmenté, sa chaleur peut devenir plus vive, n'est-ce pas? Une lampe peut être attisée, sa lumière peut devenir plus intense. Alléluia! Et il y a dans ce passage toutes ces idées-là que je viens de résumer. En fait, Paul nous conseille de ne pas éteindre l'esprit. Mais si nous sommes sages, nous comprendrons que il ne suffit pas d'entretenir l'esprit. Nous pouvons amplifier son action en nous et au milieu de nous. Pas vrai? Pas vrai. Amen. Voilà. Il y a trois catégories de personnes face à ce texte. Ceux qui échouent, qui éteignent l'esprit. Ceux qui se contentent du minimum, qui entretiennent l'esprit. Et ceux qui visent le maximum. Et qui font quoi? Qui amplifient l'action de l'esprit en eux et au travers d'eux. Quelle est la catégorie que vous choisissez?
Laquelle? La troisième. Pour réussir la troisième catégorie, il faut comprendre les deux précédentes. Il faut comprendre qu'est-ce qui peut se passer pour que l'esprit ne s'éteigne. Ou qu'est-ce qu'on doit faire pour entretenir l'esprit. Il faut comprendre ces choses élémentaires pour aller plus loin. Et c'est ce que nous allons voir par la grâce de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19, est une phrase qui se trouve au milieu de plusieurs. Nous sommes comme dans la méthode préférée de Paul. À chaque fois qu'il écrivait une épître, il commençait par enseigner les principes vitaux, la doctrine et la théorie, la vérité, mais sur le plan théorique. Une fois qu'il a réussi à expliquer ça, il concluait toujours ses épîtres par des recommandations pratiques. C'est là où on voit qui a compris et qui a cru. Pas quand on donne une bonne réponse sur le plan théorique, mais quand on réussit aux examens de la vie. Alléluia! La vie chrétienne, elle se trouve là, dans ses recommandations pratiques. Et le plus souvent, on ne lit pas ça. Parce que ça semble très direct, très simple. Oui, la vie chrétienne est quelque chose de simple, et de précis et de concret. Il ne suffit pas de connaître les versets, de réciter de théorie. Il ne suffit pas de maîtriser la théologie. Et d'ailleurs, quand on a maîtrisé soi-disant la théologie, cela doit se voir dans notre vie. Amen. Alléluia. Apprenons à être honnêtes envers nous-mêmes. Tu connais ta vie, tu connais ton quotidien. Les domaines de ton échec sont les reflets de ton incrédulité ou de ton ignorance. L'homme spirituel juge de tout, c'est pourquoi il n'est jugé par personne. Nous commettons l'erreur de mesurer la qualité de la chrétienté des gens par le nombre d'années qu'ils ont fait dans la foi. En fait, quand on parle de nombre d'années qu'ils ont fait dans la foi, en réalité, on est en train de parler de nombre d'années qu'ils ont fait dans l'Église. Un païen peut venir s'asseoir à l'Église. Il est dans l'Église, mais il n'est pas dans la foi. Quelqu'un peut être dans l'Église et ne pas être en Christ. Mais être dans l'Église, c'est bien, parce que c'est là où on apprend, d'accord ? Mais être dans l'Église sans être en Christ, sans être dans la foi, ça ne sert à rien. Alors, ne perdons pas notre temps à juger les autres. C'est une perte de temps. Mais prenons le temps à nous évaluer nous-mêmes. Amen. Amen. Et comme dans la vie, on va d'abord à l'école. On reçoit des cours magistraux, mais on ne dit pas qu'une personne va passer en classe supérieure parce qu'elle a été présente, elle a assisté à tous les cours, n'est-ce pas? Mais c'est sur la copie de l'examen, la vérité sur la copie de l'examen. Et les recommandations pratiques de chaque épître sont les examens auxquels chaque enfant de Dieu est soumis tous les jours. C'est là où on peut se noter soi-même. Vous savez, il est de ces examens, surtout quand vous avez fait des sciences exactes, où le prof, à la fin, vous donne le corrigé et vous demande de vous noter vous-même. N'est-ce pas? D'ailleurs, il est de ces cours où, quand tu as fini l'examen, tu sais toi-même si tu as réussi ou si tu as échoué. Et la vie avec Dieu, elle est comme ça. Les recommandations pratiques de chaque épître sont les zones les plus puissantes de la vie.
C'est là où nous avons la vérité sur nous-mêmes. Pas sur notre voisin, mais sur nous-mêmes. Alléluia. Et dans cet épître, cela commence au verset 12. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères. Deuxième prière. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Verset 16, soyez de temps en temps joyeux. En été, joyeux. Dans l'église, joyeux. Toujours, n'est-ce pas? Et priez de temps en temps. Oui, la même idée est là. Priez sans cesse, on pourrait dire priez toujours, priez en tout temps, n'est-ce pas? Et rendez grâce en toutes choses. La parole de Dieu est un langage formidable. C'est, quand vous vous familiarisez dans le bon sens avec la parole de Dieu, vous commencez à connaître le Saint-Esprit. Il parle avec les mots, avec des idées harmonieuses et avec les chiffres. Il ne parle pas au hasard et je veux vous montrer qu'il y a des séries de quatre chiffres ici. Chaque groupement d'idées vient avec des flots de quatre portions. Le Saint-Esprit est un très grand artiste, mais dans le bon sens du terme. Alléluia. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Alléluia. N'éteignez pas l'esprit, est au milieu de toutes ces idées, et ces idées ne sont pas là par hasard, parce que ce sont ces idées-là qui vont nous aider à comprendre ce que Dieu entend par cette recommandation de ne pas éteindre le Saint-Esprit. Amen. Du verset 12 au verset 19, nous voyons là ce qu'on doit faire pour ne pas éteindre le Saint-Esprit. Et du verset 19 au verset 22, nous voyons là ce qu'on doit faire pour bénéficier de toute la chaleur et de toute la lumière de l'Esprit quand il n'est pas éteint. Je recommence. Du verset 12 au verset 19, nous voyons ce que nous devons faire pour ne pas éteindre l'Esprit. Et du verset 19 au verset 22, nous voyons là les choses que nous devons faire pour bénéficier de la chaleur, de toute la chaleur et de toute la lumière de l'Esprit quand il n'est pas éteint. Amen. Alléluia. C'est très important. Mettez la diapo. Et nous allons voir quatre rôles du leader spirituel. Vous savez, pour que l'esprit ne s'éteigne pas,
le leader a un rôle essentiel. On voit ça dans le verset 12, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et ensuite, nous allons voir quatre faiblesses temporaires de chacun, de certains. Si nous ne prenons pas soin de ces personnes-là, la qualité du feu et de la lumière de l'esprit au milieu de nous va être affectée. Ça se trouve dans ce passage. Ensuite, il y a quatre forces permanentes de chacun. Quatre forces permanentes, il y a une petite erreur, de chacun. Les choses dans lesquelles nous devons demeurer, n'est-ce pas? Soyez toujours joyeux, en permanence, n'est-ce pas? Priez sans cesse, rendez toujours grâce sans cesse, en permanence. C'est en pratiquant ces choses-là et en y demeurant en permanence que l'Esprit ne s'éteint pas et l'Esprit nous éclaire. Et nous allons terminer en montrant quatre choses à faire pour attiser l'Esprit. Toutes ces choses sont dans ce passage. Vous êtes prêts? Alléluia! Quatre rôles du leader spirituel. Nous sommes dans le verset 12 et 13. Regardez le verset 12 et 13 de 1 Thessaloniciens 5. L'apôtre sait qu'il veut nous emmener au verset 19, n'est-ce pas? Il veut nous emmener à l'idée où nous devons entretenir et amplifier l'esprit au milieu de nous. Mais il commence par ceci. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur. Vous voyez, le leadership est là, n'est-ce pas? Les dirigeants qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Pas à cause de leur position, simplement. Pas à cause de leur titre, mais à cause de quoi? De leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Quelle relation existe-t-il entre nos dirigeants et la manière dont nous traitons nos dirigeants et la qualité du feu et de la lumière de l'esprit au milieu de nous? Quelle relation? Et si vous ne savez pas ça, vous allez beaucoup lutter. Vous allez beaucoup lutter, pourquoi? Parce que vous voulez obéir à ce que Dieu a dit, mais sans prendre le chemin qu'il a décrit. Est-ce que vous me suivez? Qui veut ne jamais éteindre l'esprit en lui? Alors tu dois suivre le chemin. Alléluia. Vous savez, nous agitons beaucoup dans cette vie chrétienne. Il y a beaucoup de cris, beaucoup de mousse et très peu de réalité. Pourquoi? Parce que, une fois que nous captons une idée qui nous intéresse dans les Écritures, nous avons tendance à ne pas considérer le chemin du Seigneur pour y arriver. Et nous voulons forcer Dieu à nous donner ce qu'il a dit, sans forcément prendre le chemin qu'il a tracé pour y arriver. La vie chrétienne n'est pas comme ça. Ça, c'est la religion chrétienne. La vie chrétienne est une vie de disciple, n'est-ce pas? Ce fut à Antioche, pour la première fois, que les disciples furent appelés des chrétiens. Un chrétien est d'abord un disciple. Et un disciple est quoi? C'est une personne qui se laisse discipliner par un maître. Il reconnaît Jésus comme son Seigneur et il décide d'exécuter ses commandements, de vivre sous sa discipline, sous sa seigneurie et sous son autorité. Alléluia!
Dieu nous révèle des vérités merveilleuses dans sa parole, mais il montre aussi le chemin. Toujours, il montre le chemin. Toujours. Toujours. Ma vie a changé, je pense, j'avais 17, 18 ans, il y a très longtemps. Et il y avait une semaine de prière à l'église sous le thème « Il est temps que l'Éternel agisse ». Vous imaginez, vous comprenez le thème, n'est-ce pas ? « Il est temps que l'Éternel agisse ». Si on dit, si je vous dis que nous allons faire une semaine de prière avec le thème « Il est temps ». Que l'Éternel agisse. Déjà, la salle va être pleine. N'est-ce pas? Maintenant, quand tu dis, il est temps que le Seigneur agisse, c'est pour faire quoi? Et vous voyez, avec la fougue de la jeunesse, nous sommes venus en ce temps. Moi, j'étais déterminé, je vous assure, avec mes frères, mes amis, on était décidés. Lundi, on a prié avec ardeur, mardi, avec ardeur. Jeudi, un orateur est venu et il a ouvert la Bible. Il dit, votre thème c'est « Il est temps que l'Éternel agisse ». On va le lire. Pourquoi il est temps que l'Éternel agisse? Et le psaume dit « Il transgresse ta loi ». Vous avez compris, non? Et je vous assure, ce jour-là, j'ai compris que j'avais prié en vain pendant 4 jours. Sérieusement, du lundi au jeudi, il était temps que Dieu fasse, qu'il exécute les dossiers que j'avais mis sur la table. Seigneur, il est temps que tu agisses. Tu entends? Mais non, c'est parce qu'on transgresse sa loi. Nous avions perdu 4 jours. Vous savez quoi? Ce jour-là, plusieurs ont refusé de suivre l'orateur. Et ils ont perdu leur semaine. Moi, j'étais touché, je me suis repenti. J'ai racheté le temps. Jusqu'aujourd'hui, je connais des gens qui étaient dans cette semaine de prière, qui sont restés au même point. Ça fait combien? 43 moins 17, ça fait combien? 26 ans. Ils sont restés sur le même point pendant 26 ans à essayer de forcer Dieu à faire leur volonté. Quelle folie! Quand Dieu dit quelque chose, même quand c'est une belle promesse dans les Écritures, asseyez-vous d'abord. D'accord? Lisez bien. Je vais chercher un autre exemple. Vous connaissez, n'est-ce pas? Toute arme forgée contre toi sera sans effet, n'est-ce pas? Vous connaissez ça? Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, qui la condamnera? Qui? Toi-même. Déjà, si tu t'assois espérant que Dieu condamne à ta place, tu es en train de perdre ton temps. Tel est l'héritage de qui? Ah, qui peut revendiquer ça? Regardez les affiches, les autocollants dans les voitures des chrétiens. Les autocollants dans les bureaux, dans les maisons des chrétiens. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Il s'arrête là. Et il ne sert pas Dieu. Il n'a pas le droit de revendiquer cet héritage. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Quand Dieu a dit quelque chose, asseyez-vous d'abord pour essayer de comprendre si vous avez vraiment compris ce qu'il voulait dire. Et après, attendez pour voir quel est le chemin. Quel est le chemin pour y parvenir? Le chemin pour arriver au point où on entretient
Le feu de l'esprit, la lumière de l'esprit en soi, commence par la manière dont on considère les dirigeants spirituels. Ça ne vous plaît pas, hein? Ça ne vous plaît pas? Ah, vous n'avez pas de choix. Et pas besoin que ça vous plaise. Hein? La plupart des médicaments du palu sont amers. N'est-ce pas? Mais ça soigne. D'accord? Ça vous plaît? Pas la peine. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, il faut le boire. Alors dites avec moi, je veux le boire. Voilà. Pourtant, cette idée existait dans le passé. 1 Samuel chapitre 3. Allons dans 1 Samuel chapitre 3. Verset 3. Merci pour l'affichage. Je préfère mieux lire sur mon livre. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Pas encore. Vous entendez? Qu'est-ce que ça veut dire? Si Dieu ne fait rien, cette lampe va s'éteindre. Elle est sur le point de s'éteindre. N'est-ce pas? La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple où était l'arche de Dieu. Alléluia. Il s'agit de connaître le Saint-Esprit. C'est ce que j'essaie de faire avec vous. Le moyen, le tout premier moyen pour mieux connaître le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est quoi? Vous avez oublié? La parole de Dieu. Voici, le Saint-Esprit est en train de nous dire ici que la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Après avoir dit ça, il a introduit un jeune homme appelé Samuel. Quand vous commencez à connaître le Saint-Esprit, vous sentez déjà que Samuel a un rôle à jouer pour que cette lampe ne s'éteigne pas. N'est-ce pas? Alors on recommence, verset 1. Verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Vous voyez? La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Amen. La parole était rare, conséquence, les visions n'étaient pas fréquentes. Ça veut dire quoi? Le taux de vision dans la vie d'un chrétien dépend de quoi? De la quantité de la parole dans sa vie. Si tu as beaucoup de visions et peu de paroles, je sais déjà d'où viennent ces visions. Viennent de qui? Pas du Saint-Esprit en tout cas. Ils ont placé la parole avant les visions. Pour dire que les visions sont la conséquence de la parole. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir quoi? Des yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Voici le leader qui est là. Et sa réalité à lui, en tant que personne, correspond avec la réalité d'Israël. Lui-même, il a des yeux troubles, n'est-ce pas? Et il ne pouvait même plus voir. Heureusement quand même, il était à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Élie était en train de faillir dans la dispensation de la parole de Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Deuxièmement, il était en train de faillir dans la révélation des visions divines.
Pourquoi? Parce que sa vie elle-même commençait à plonger dans l'obscurité. On ne peut donner que ce qu'on a. Si on est dans l'obscurité, on ne peut pas donner la lumière. Si on est dans le sommeil spirituel, on ne peut pas réveiller les gens. Et pour endormir un peuple, il suffit d'endormir le leader. Ça, ça vous plaît. Parce que ça, ça me concerne, c'est ça. Il y aura aussi votre part. Si l'ennemi veut éteindre la lampe de l'esprit quelque part, il suffit qu'il s'attaque au leader. Et vous connaissez la suite. Dieu parle à Samuel. Samuel ne comprend pas. Il pense que c'est Élie. N'est-ce pas? Avec le peu de clarté, le peu de clarté qui restait à Élie, Dieu a pu s'en servir pour canaliser le jeune homme. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de coup d'état. Il y a toujours passation de flambeau. Dieu s'est arrangé pour que Élie passe le flambeau à Samuel. Allons-y au verset 18. Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher. Et il dit, c'est l'Éternel. Et Élie dit, c'est l'Éternel. Qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Il est devenu tellement faible. Pour ceux qui connaissent l'histoire, il ne disciplinait même pas ses enfants. Et quand la parole est venue, il ne réagit pas. Verset 19. Samuel a grandi. Mais Samuel fait quoi? Grandissait. La croissance de ce jeune homme ne s'arrêtait pas. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses... Ça veut dire quoi ici? Qui ne laissa tomber à terre la parole de qui? Pardon? Samuel, fait quoi? N'est-ce pas? Ce n'est pas l'Éternel qui ne laissait tomber à terre aucune parole de Samuel. Parce que parfois, j'ai entendu des gens prêcher ça. Comme Dieu ne laissait tomber aucune parole de Samuel, ainsi il ne laissera tomber aucune parole qui sort de ma bouche. C'est sur la base de 1 Samuel 3, verset 22. Il n'y a pas de verset 22 dans le chapitre 3. Vous comprenez? L'Éternel était avec Samuel et il parlait à Samuel. Et Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Vous voyez, lui-même, le jeune homme, ne méprisez pas les prophéties. Vous voyez ça dans 1 Thessaloniciens 5, n'est-ce pas? Verset 20. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut quoi? Il reconnut quoi? Établi prophète. C'est ça la signification de Samuel grandissait. Vous comprenez? Au début, on le reconnaissait, quand il a commencé, on le reconnaissait dans son environnement immédiat. Mais il continuait de grandir, n'est-ce pas? En quoi consistait la croissance de Samuel?
ça consistait à entretenir la présence de Dieu et à honorer chacune des paroles de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il avait 1m60, puis 1m70. Non, il devenait un géant spirituel. Comment ? Dans sa relation avec Dieu et dans sa relation avec la parole de Dieu. Alléluia. Je vous parle simplement et doucement pour que ça soit concret et cohérent. Vous me suivez? Verset 21. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, là maintenant les visions, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo, par quoi? L'Éternel se révélait comment? Par la parole. Et vous voyez, à partir de ce moment-là, la parole qui était devenue rare en Israël est redevenue abondante. Parce que Dieu a trouvé un homme. Et lui était en train de faillir. Dieu a trouvé un jeune homme qui a réussi sa mission et qui permet à Dieu de reprendre place à travers son peuple. À travers quoi? À travers sa parole. Alléluia. Et à travers ce jeune homme, on aura le roi Saül. On aura le roi David. Amen. À travers la parole de Dieu. Qui devenait de plus en plus abondante. Autrefois, elle était rare. Mais maintenant, elle devient abondante. Si, du temps où la parole était rare, les visions étaient peu fréquentes. Maintenant que la parole est abondante, qu'est-ce qui va se passer des visions? Ne sous-estimez pas la parole de Dieu. Ne méprisez pas les prophéties. Nous l'avons vu le mercredi. En elle, dans la parole, était la vie, n'est-ce pas? Et la vie est quoi? La lumière des hommes. Laissez la parole de Dieu habiter en vous abondamment. Vous vous réveillerez un matin et vous aurez une vision. Vous comprendrez au-dedans de vous ce qu'il faut faire, où il faut aller, quoi il faut faire. Vous aurez une conviction intérieure parce que la parole est une lumière. Alléluia. Alors, revenons dans 1 Thessaloniciens. La toute première des choses que le Seigneur attend de son peuple, parce qu'il veut que sa lampe ne s'éteigne pas, que son esprit ne s'éteigne pas, remets la diapo, la toute première des choses se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 12 à 13. Le leader a quatre rôles ici. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération. Vous voyez, en tant que leader, je ne parle pas d'abord de ce que vous devez faire. Paul est en train de dire aux frères qu'ils doivent avoir de la considération pour les leaders. N'est-ce pas? Mais il dit, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour. Nous nous préparons déjà à avoir de la considération. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous nous préparons, où que tu sois dans le monde, tu dois avoir une église locale, n'est-ce pas? La première décision que l'on prend quand on arrive quelque part, c'est de chercher où est une église, après avoir trouvé où habiter. Et le plus souvent même, trouver une église t'aidera à trouver où habiter. Ou bien, avec les bonnes personnes avec qui habiter. Le chrétien d'Internet n'a pas de leader. Personne ne le dirige. Il choisit le titre qu'il veut écouter. Et il ne donne pas d'offrande. Bon, certaines églises ont trouvé des astuces. Paye offrande par PayPal. J'aime pas trop ça. Il faut appartenir à une église locale. D'accord? Il faut appartenir à une église locale.
Alors, nous nous préparons à avoir de la considération, n'est-ce pas? Mais pour qui? Pour qui? Pour ceux qui travaillent parmi vous. Le verbe, c'est travailler. Deuxièmement, pour ceux qui vous dirigent dans le Seigneur. Le verbe, c'est diriger. Troisièmement, et qui vous exhorte. Le verbe, c'est exhorter. Il poursuit en disant, ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de quoi? De leur œuvre. Le verbe, c'est œuvrer. Un leader spirituel doit conjuguer ces quatre verbes. Un leader spirituel, ce n'est pas quelqu'un qui a un titre au-dessus d'un groupe. Non, c'est quelqu'un qui travaille, qui dirige, qui exhorte et qui œuvre. Et Paul nous dit, si vous trouvez quelqu'un qui remplit ces conditions-là, montre-lui de la considération et de l'affection. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Parce que il est une porte d'entrée pour l'œuvre de l'Esprit. Alléluia! N'oubliez pas 1 Samuel 3. Lisez le livre de Rois. Vous voyez une relation directe entre un mauvais roi et l'apostasie en Israël, ou bien un bon roi et l'adoration qui revient en Israël. Livrez le livre de Juges. Vous voyez que quand il y a le désordre, le peuple crie à l'Éternel et l'Éternel suscite quelqu'un. Donc si un mauvais leader, je ne vous demande pas de le maudire. Criez à l'Éternel. Dieu lui-même sait comment faire remplacer les Samuel, les Élie par les Samuel. C'est Dieu qui sait faire ça. Alléluia. Et le Saint-Esprit a du mal à agir dans l'Église à cause de ça. Le premier pas. Regardez le peuple. Aucune considération pour ses dirigeants. Aucune considération pour les pasteurs, pour les anciens, pour les responsables. Ça, Dieu n'aime pas ça. Deuxièmement, quand les pasteurs se contentent du titre, Dieu aussi n'aime pas ça. Le leadership spirituel, c'est vraiment du travail. Amen. C'est du travail. C'est une capacité de diriger les gens dans le Seigneur. Le rôle des pasteurs, ce n'est pas de multiplier des programmes dans l'Église. Mais c'est de conduire les gens toujours plus près du Seigneur et dans le Seigneur. Ils ont une capacité surnaturelle d'exhorter quand le peuple est affecté. Et ils font ce que Dieu appelle une œuvre. C'est parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Le mot travail et le mot œuvre ici sont tout à fait différents. C'est tout à fait différent. Dans le premier, on parle de sa charge. La charge matérielle que sa fonction lui incombe. Mais le point 4, c'est plutôt dans le but
pour lequel Dieu l'a placé là. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous savez, les pasteurs sont le plus souvent surchargés dans le ministère. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de faire ce que Dieu voulait. Vous m'entendez? Ah ouais. Et quand on perd les buts divins, on va diriger les gens où? Loin du Seigneur, inconsciemment. Et c'est lui qui est la lumière, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est lui le Père des Lumières. Quand on s'éloigne de lui, qu'est-ce qui se passe? On s'éloigne de la source de lumière et on va tout droit dans les ténèbres. Amen. Amen. Les quatre points là, ça c'est pour nous les leaders. Mais les deux recommandations, c'est pour vous le peuple. Et de la considération pour nos responsables. Alléluia. Amen. Et montrez-leur de l'affection. Amen. Amen. Pourquoi vous êtes calme comme ça? Ça se joue ici, hein? Si nous ratons les versets 12 et 13, tous les efforts que nous allons faire pour ne pas éteindre l'esprit seront vains. Ça se joue ici. Montrez-leur de l'affection. La Bible n'enseigne, n'a jamais enseigné le peuple à être au garde à vous. Comme j'entends ça de plus en plus. Il faut être loyal, comme dans l'armée. Mais s'il n'y a pas d'affection, s'il n'y a pas d'amour, ça ne sert à rien? Non? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Réagissez un peu, dites-moi un peu. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien que quelqu'un, soi-disant, te montre de la considération. Alors que quand il te tourne le dos, il te critique. Ou bien, s'il est dans un endroit où on dit du mal de toi, ça ne le gêne pas, ça ne l'irrite pas. Ce n'est pas comme ça dans le royaume de Dieu. C'est une relation d'amour d'abord qui nous unit. Et les bergers, les responsables, doivent se dépenser parce qu'ils aiment le troupeau. Alléluia. Amen. Parce qu'ils aiment le troupeau. Si vous voyez la définition du mot « travailler » ici, c'est vraiment se dépenser jusqu'à sa dernière énergie. C'est s'épuiser à la tâche, c'est ce que ça veut dire. S'épuiser à la tâche. Mais qu'est-ce qu'il va faire qu'un leader va s'épuiser à la tâche? C'est parce qu'il aime le troupeau. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il va faire que le troupeau va lui montrer de la considération, va apprécier son œuvre? C'est parce qu'ils aiment leur responsable. Alléluia. Alléluia. Amen. Voici ce que je veux. Je vous demande d'aimer vos responsables dans tous les services. Vous n'avez pas répondu. Amen. S'il n'y a pas ça, vous travaillez en vain. Et je demande à tous les responsables d'aimer les frères et sœurs qui sont sous leur responsabilité. Quand on a réussi ça, nous avons déjà fait un vrai pas dans la gloire de l'Esprit au milieu de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. «
Deuxièmement, nous sommes dans le verset 14. Verset 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Pourquoi je parle de quatre faiblesses temporaires de certains ? Temporaires d'abord parce que je ne veux pas qu'il y ait au milieu de nous des faiblesses qui soient permanentes. Amen. Alléluia. Et il dit, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Ça veut dire que tout le monde ne vivait pas dans le désordre. Mais certains vivaient dans le désordre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Le Saint-Esprit ne peut pas être quelque part et faire que tout le monde vive dans le désordre. C'est impossible. Vous m'entendez? S'il y a un endroit qui se dit, qui prétend être une église où le Saint-Esprit règne et que tout le monde vit dans le désordre, vous savez que le Saint-Esprit n'est pas là-bas. Par contre, le Saint-Esprit peut être quelque part et on va quand même trouver certains qui vivent dans le désordre. Vous m'entendez? Certains. Quand certains vivent dans le désordre, qui est-ce que Dieu va utiliser pour changer ça? Qui? Les anges? Les frères. Amen. Les frères. Veux-tu savoir le frère qui t'aime le plus dans cette assemblée? C'est celui qui t'avertit quand tu vis dans le désordre. C'est celui qui t'aime le plus. Et vous devez dire amen très fort à ça. Amen. Mais on a pris les habitudes du monde, on les a importées dans l'église où nous sommes amitié par affinité. Quelle affinité? Est-ce qu'on parle d'affinité dans une famille? Hein? On parle d'affinité dans une famille? Il n'est pas question d'affinité dans une famille. Amen. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Amen. Je n'ai pas d'autre choix que de t'aimer. Nous avons un même Père. Il n'est pas question d'affinité. Et quand vous entendez les chrétiens commencer à parler d'affinité, ça veut dire quoi? Ils se lient d'amitié avec le frère ou la sœur qui a vu ses défauts, mais qui ne lui dit rien. Et le plus souvent, quelle est leur affinité? C'est qu'ils partagent les mêmes défauts. Ils se serrent les coudes pour aller doucement en enfer. On va organiser des semaines de prière. Seigneur, allume ton esprit. Comment je vais allumer ça ici? Comment je vais allumer ça? D'ailleurs, si j'allume très fort la lumière. Ah, vous avez compris, non? Acclamez la parole de Dieu. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Avertissez. Je veux vous raconter mon tout premier ami que j'ai perdu à jamais jusqu'aujourd'hui. Quand je grandissais, j'avais un tempérament timide. J'étais tellement réservé que je n'avais pas pu avoir d'amis à cause de mon tempérament. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir mon tout premier ami. Je ne voulais pas le lâcher. C'était la première fois. Mais entre-temps, j'ai rencontré un autre collègue de classe qui connaissait maintenant la parole de Dieu. Et grâce à lui, j'ai commencé à comprendre mieux la parole de Dieu. Et je voyais un décalage entre mon ami et moi. Nous étions vraiment des amis. Nous avons eu le bac
sommes allés à la fac ensemble. Je l'aimais tellement. Sa présence ne m'édifiait pas. Mais je l'aimais tellement. Alors je vivais dans le compromis. Je lui disais, mon frère, il y a un certain nombre de conversations qu'on ne doit pas avoir avec moi. Moi, je suis chrétien. Tu en parles là-bas. Quand tu es avec moi, tu n'en parles pas. Mais c'est toujours de l'abondance du cœur. Que quoi? Et en deuxième année, il est venu. Il savait que j'avais de l'argent. J'avais de l'argent. Parce que mon père avait beaucoup d'argent. Et il est venu me voir et dit, cher ami, ma copine est tombée enceinte. Il faut cotiser pour l'avortement. Cotiser? J'avais envie de lui dire que je n'ai pas d'argent, mais je ne peux pas le dire. Il sait que j'en ai. Je lui ai dit, je ne peux pas le faire. Mais il a été déçu. Ouais, il était sincèrement déçu. Et je lui ai dit, pour le Seigneur, je ne peux pas faire ça. Notre amitié s'est arrêtée jusqu'aujourd'hui. On ne s'est plus jamais reconnecté. Tellement pour lui, j'étais un diable. Et ça a été un déchirement dans mon cœur. C'était une décision difficile. J'espère que ma fermeté l'a aidé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Mais si je m'étais compromis, je serais coupable de crime. Oui, on peut prier comme on veut. Mais si on ne fait pas ça, hein? Qu'est-ce qui va se passer? Averti. Écoutez, être au courant de la faiblesse de l'un d'entre nous est une grâce. Si Dieu permet, c'est parce qu'il te fait confiance. Vous m'entendez? Il te fait confiance. Vous savez, il y a des gens pour qui Dieu cache les faiblesses des autres parce que Dieu ne leur fait pas confiance. Si tu as été au courant, sache que Dieu l'a permis parce qu'il sait, il sait que tu peux aider cette personne. Averti. Averti, ça veut dire quoi? Prévenir d'un danger. Non? Vous ne mettez pas ce message-là, hein? Dieu va vous bénir abondamment. Amen. Mais c'est ça le chemin de la bénédiction. C'est ça le chemin. C'est ça le chemin. J'ai des centaines d'exemples à vous donner dans la vie. Des gens qui ont résisté à la direction de Dieu. Vous voyez, je suis en train de vous diriger dans le Seigneur. Je suis dans ma fonction. J'ai vu tellement de gens. La parole était évidente. Mais ils ont résisté. La vérité, c'est avec le temps. Le plus souvent, au début, le diable les sponsorise. Vous voyez qu'ils avancent, soi-disant. Revenez 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ils ont la tête baissée. C'est pas ce que je veux pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Avertis ton frère. Avertis ta sœur. Alléluia. Certains disent, mais parce qu'on a fait ça, ils ont quitté l'église. Mon ami, il vaut mieux quelqu'un qui quitte l'église pour vivre franchement sa vie mondaine qu'une personne qui reste dans l'église. Le fils prodigue a été touché où? Loin de papa. Vous voyez? Tous ceux qu'on a avertis, qui ont fui là, qui ne viennent plus, vous voulez que je vous dise, je ne les ai jamais oubliés. Ils vont revenir. Amen. Je vous assure, ils vont revenir. Parce que nous continuons à prier pour eux. Nous continuons à dire, Seigneur, ça c'est la phrase que je dis le plus souvent. Ne permets pas que le diable ait le dernier mot.
Ne permets pas que mon frère, ma soeur, finisse en enfer. Je ne veux pas ça. Certains ne reviendront pas ici, mais ils se ressaisiront et ils changeront d'église. Peu importe, pourvu qu'ils soient dans le royaume. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez compris comment on va faire, n'est-ce pas? Pour maintenir la flamme. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Deuxièmement, consolez ceux qui sont dans l'abattement. Vous savez, quand quelqu'un est affecté par une situation douloureuse, ne la laissez pas seule. Ne le laissez pas seul, il est en danger. Parce que nous sommes des brebis, vous savez ça, n'est-ce pas? La force d'une brebis se trouve dans le troupeau. Combien de fois ça nous arrive ici? Une semaine, deux semaines, trois semaines, le frère ou la sœur ne vient pas. Personne ne l'appelle. Personne. Et la personne, là où elle est en train de se morfondre dans la tristesse. Mais qu'est-ce que le diable veut? Il veut l'isoler pour l'abattre. Amen. Amen. Regardez. Écoute, la plupart du temps, on s'assoit toujours au même endroit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, si ton voisin ecclésiastique n'est pas là, réagis. Amen. Et tu le consoles comment? En disant, c'est pas consoler, ça veut pas dire ça va aller. Et comme certains disent, on est ensemble. On est ensemble? Non, non, on n'est pas ensemble. Regarde, quelqu'un qui est dans la détresse, tu viens lui dire on est ensemble. Ça veut dire quoi? Tu vas dans la détresse, tu tombes dans le trou. Non, c'est pas on est ensemble. On est ensemble n'est pas un verset biblique. Tu ne sais pas où il est, tu t'associes à lui. Tu ne sais pas comment il est en train de critiquer Dieu. Il dit, tu m'as abandonné. Il critique Dieu et toi tu dis que vous êtes ensemble. Comment on fait pour consoler les gens? C'est dans 1 Corinthiens 14. C'est parce qu'on n'a pas le temps. La consolation, c'est l'exercice du don de la prophétie. Affiche 1 Corinthiens 14. Comme ça, tout le monde va voir. 1 Corinthiens 14. Verset 1. Oh, ma Bible. Merci, Seigneur, pour ma Bible. Recherchez la charité et l'amour. Aspirez aux dons spirituels. Surtout. À quoi? À celui de prophétie, le Seigneur me dit de dire quelque chose. Donc, je vais le dire. Je vais ajouter. On va lire plus loin pour que je vous montre quelque chose. Surtout à celui de prophétie. En effet, maintenant il explique. Oui, Paul a dit la théorie, maintenant il explique. En effet. Regarde. Il nous demande d'aspirer surtout à quoi? Il nous demande d'aspirer surtout à quoi? Au don de prophétie, n'est-ce pas? Maintenant, une fois que tu as dit ça, en effet, sert à quoi? Dans le langage de tous les jours, en effet, sert à quoi? À expliquer la thèse, n'est-ce pas? Donc, en effet, il veut expliquer comment aspirer au don de prophétie. N'est-ce pas? En effet, celui qui parle en langue, non! Il est question du don de prophétie. Il dit, hey, écoute-moi, c'est moi le prof, suis-moi. Suis-moi. Il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Arrêtons-nous d'abord là-bas. Mon frère est abattu, n'est-ce pas? Et un Thessalonicien 5 me dit de le consoler. Pour le consoler, qu'est-ce que je fais? Je parle à mon frère qui est un homme. Il dit, voilà, c'est pour ça que vous finissez par vous dire on est ensemble. Ne commencez jamais par parler aux hommes. Quelqu'un suit ça? Amen. Jamais, jamais. Pourquoi que ce soit, ne commencez jamais par parler aux hommes. Même quand tu vas demander la main à une sœur,
pas un frère, parce que la sœur doit attendre. C'est le frère qui demande la main. Et les vertueux disent quoi? Amen. Voilà. Le ciel vous a entendu. Ne lui envoie même pas de bip. Amen. Tu parles d'abord à Dieu, mon frère. Tu parles d'abord à Dieu. Même pas à ton ami d'abord. Même pas au pasteur d'abord. À Dieu d'abord. Et quand Dieu te donne les mots et qu'il te donne l'autorisation, elle va dire oui. Avec des mots simples, sans poésie inutile et qui n'est même pas vrai. Depuis quand tu es poète? Parce que si tu commences comme ça, tu dois assumer après. Hein? Dans le mariage, tu dois continuer. Hein? Mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit de mystère. Personne là, c'est qui? Y compris lui-même. Pour l'instant, il ne comprend pas. Mais parle à Dieu. Il parle à Dieu. Verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Et il fait quoi? Et puis? Et puis? Et la consolation vient quand? Édifier, c'est construire. N'est-ce pas? Et vous savez, Jésus nous a dit de construire sur le roc. Il dit, quiconque entend mes paroles et les met en pratique, il est comme une personne qui a bâti sur le roc. Quelle que soit la situation, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? D'accord? D'accord. Et là, ça commence à te donner l'ouverture par rapport à la réaction de ton frère ou de ta sœur. Parce que le désespoir, parfois, peut nous emmener à oublier ce que Dieu a dit. Il n'est pas d'abord question de trouver la solution. Quelle est d'abord notre attitude par rapport aux Écritures? L'édification d'abord. Est-ce qu'on pratique ce que la Bible a dit, même si on est dans la tristesse? Ok? Quand on a réussi à édifier, après maintenant on exhorte, c'est-à-dire on encourage. Et vous savez, le plus souvent, nous encourageons, mais nous ne consolons pas. Parce que quand quelqu'un est consolé, qu'est-ce qui se passe? Sa peine s'en va. Vous entendez? Sa peine s'en va. Hein? Sa peine s'en va. Donc, celui qui prophétise, édifie, exhorte et il console. Quand il dit de consoler ceux qui sont abattus, il nous demande quoi? Qu'est-ce qu'il nous demande? Vous êtes fatigué, hein? Il nous demande en fait d'exercer le don de prophétie. Et le don de prophétie, c'est pas je suis l'Éternel, Dieu ne bégaye pas, mes amis. Dieu bégaye pas. Dieu guérit les bègues. Il bégaye pas. Oui, l'onction parfois peut être forte et tu n'arrives pas à supporter. D'accord? Mais c'est pour ça que nous sommes là pour vous diriger. On peut te montrer comment te calmer et attendre jusqu'à ce que la parole prophétique devienne claire. J'aurais dû avoir 3 heures pour vous expliquer tout ça aujourd'hui. Tu attends. On est trop pressé. Vous voyez, même pour prêcher là, on est pressé. Même moi, je suis pressé. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et on ne comprend pas bien les choses du royaume. C'est ça le problème. Même moi, je suis frustré là. Tout le monde peut prophétiser ici. Amen. Oubliez ça, que la prophétie c'est pour une catégorie de gens. Mais non, si tu aimes tes frères, si tu aimes ceux qui sont abattus, si tu as la compassion, si tu es sensible, tu es qualifié pour prophétiser. Amen.
Tu es qualifié. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à parler à Dieu. Sois pas pressé. Jésus, on lui a dit que son ami Lazare est malade. Dans Jean 11, Jésus va nous montrer ce qu'il a toujours fait. Aucun miracle de Jésus était un acte spontané. Il passait toujours du temps dans la présence du Père et il sortait de là avec les paroles et les œuvres. Et dans Jean 11, là on fait un zoom pour nous montrer comment il a toujours procédé. Il est resté 2 jours. Lui qui avait dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il a oint. Mais l'onction n'est pas un instrument qu'on l'utilise comme on veut. Jamais. Verset 4. Celui qui parle en langue, il fait quoi? Et celui qui prophétise, lisons encore. Celui qui parle en langue, et celui qui prophétise, revenons au verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle au et donc, la première chose que celui qui prophétise fait, c'est quoi? C'est d'édifier, n'est-ce pas? Il édifie les autres, n'est-ce pas? Verset 4. Celui qui parle en langue et celui qui prophétise, il n'y a pas de contradiction ici. Tu veux édifier les autres? Sois édifié toi-même. Tu veux prophétiser? Qu'est-ce que tu fais? Ah, vous n'avez pas compris. Je recommence. Tu veux édifier les autres? Sois édifié toi-même. Or, pour édifier les autres, il faut prophétiser. Pour s'édifier soi-même, il faut parler en langue. Donc, tu veux prophétiser, qu'est-ce que tu fais? C'est aussi simple que ça. Ah, vous n'avez pas cru? Mercredi, on va faire la pratique. Il fut rempli du Saint-Esprit et il se mit à parler en langue et à prophétiser. Mercredi, on va faire ça ici. Pas par mon onction, non, par les Écritures. Par les Écritures. Et ce n'est pas une question d'onction. C'est une question de mise en pratique de la parole qu'on croit. Alléluia. Amen. Je sais ce que je dois faire quand j'ai besoin de consolation moi-même. Je sais ça. Je me dis, Doudou veut consoler Doudou. Pour que Doudou console Doudou. D'accord? Doudou doit être édifié. Et quand Doudou sera édifié, il pourra édifier Doudou, exhorter Doudou et consoler Doudou. Alors je mets le Doudou B de côté, je prends maintenant Doudou A. Et je dis, Doudou A, parle en langue. Et je m'assois. Tu ne m'entendras pas crier. Je m'assois. Parfois, je marche. Je parle en langue. Parfois, ça vient en 5 minutes. La parole de consolation. Parfois, ça vient en 5 jours. La certitude est que quand ça vient, je le sais. Quand ce n'est pas venu, je le sais aussi. Donc, tant que ce n'est pas venu, qu'est-ce que je fais? Je prie en langue. Écoute, quand tu es en train de prier seul et qu'à un moment donné, tu te dis, bon, il faut quand même prier en français, non? C'est le diable. Écoute, quand tu parles à Dieu, donc tu ne peux parler qu'en langue. Parce que lui, il comprend. Certains ne veulent pas me suivre. Ouais, la chair, parce que la chair aime ne pas perdre le contrôle. 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, tout ce que tu dis, lui, il ne comprend pas. Et toi-même aussi, tu ne comprends pas. Il dit, mais sois raisonnable. Je dis, non, je n'ai pas besoin d'être raisonnable. Je parle à Dieu, non? Si Dieu comprend, c'est bon. Regarde, si Dieu est chinois ici, et que c'est à lui que je veux parler, même si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Je parle chinois. Et si moi-même je ne comprends pas aussi, ce n'est pas grave. Pourvu que lui comprenne.
Mais ne fais pas ça quand on prie ensemble. Quand tu pries avec les gens, ce n'est pas bien de ne prier qu'en langue. Je répète, ce n'est pas bien. Comment quelqu'un va dire amen à ta prière? Je suis en train de réciter 1 Corinthiens 14. Ce n'est pas bien. Mais la vérité est que quand tu pries seul, tu ne peux ne prier qu'en langue. Mais si tu ne bascules pas en français, ça veut dire que tu n'interprètes pas. Parce que quand tu es édifié, ça devient intelligible. Tu vois comment tu entretiens l'esprit toi-même? Oui, Paul dit beaucoup de choses dans les phrases. Regarde. Une église où les chrétiens ne pratiquent pas la prière personnelle en langue abondante, c'est une église faible. Parce que, regarde l'église moderne. Les gens viennent à l'église pour être édifiés. Ils ont oublié qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ils ont oublié ça. Les gens traînent leur fardeau en attendant le dimanche. Et quand ils viennent, on dit aux frères, chantez, hein, il faut nous réchauffer. Ah! C'est... Écoute, si une chanson réchauffe les gens, ça s'appelle l'animation. Parce que c'est tourné vers les hommes. La louange est tournée vers Dieu. La louange n'est pas là pour nous réchauffer. C'est pour célébrer Dieu. Je n'ai pas dit qu'on ne va pas faire des chants dansants. Hein. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais même quand on danse, c'est pour Dieu. Papa dit souvent que les plus grands menteurs, ce sont les chantres. On va pousser des cris de joie pour le Seigneur. Toute la semaine, tu as murmuré. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Le prédicateur dit, Dieu est grand, Dieu est grand. Toute la semaine, il était down. C'est aussi un prédicateur menteur. Donc, il prêche la motivation, mais il ne prêche pas la parole, l'esprit de vie. La motivation peut réveiller l'âme. Hein? Ceux qui ont fait du sport le savent. Hein? Le coach peut te prendre, il te parle, il dit regarde-moi dans les yeux, il te parle. Tu reprends souffle. Tu commences à courir, toi-même tu t'étonnes. Ça marche, mais dans l'âme. Dans l'esprit, ça ne marche pas. Dans l'esprit, c'est la prophétie. Alléluia. Et la prophétie n'est pas quelque chose de mystérieux. C'est une parole qui édifie. Qui exhorte, mais qui console. Il n'y a rien de mystérieux. Un jour, tu peux prophétiser en tapant simplement comme ça à ton frère. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Et puis, il te dit, oui. Et il ne comprend pas, il se sent tellement bien par une phrase qu'il connaissait. Mais ça, c'est la prophétie. Alléluia. Amen. Alléluia. Si on tient là, si je suis ici debout, ça cause du don de prophétie. Si je devais attendre que vous me consoliez. Donc, je vais m'arrêter ici et je vais vous montrer ce que le Seigneur m'a dit de vous montrer. 1 Corinthiens 14. On est dans 14. On va lire rapidement. Commençons à quel verset? Allons-y, verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez des enfants. Et à l'égard du jugement,
Soyez des hommes faits. Il est en train de dire, soyez naïfs comme les enfants. Quand il s'agit d'être malicieux, vous savez, un enfant, même quand il ment pas bien, n'est-ce pas? Voilà, il dit, ne devenez pas experts dans les choses de la malice. Restez simple, ne soyez pas sophistiqués. D'accord? D'accord? Mais en ce qui concerne le jugement, soyez des hommes faits. C'est-à-dire des gens qui connaissent les principes de justice de Dieu. Amen. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront même pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Regarde. Et les chrétiens ont peur de paraître bizarres. Vous voyez, quand c'est une réunion d'intercession, ouais, j'attaque tout le monde aujourd'hui. Quand c'est une réunion d'intercession, il prie en langue avec ardeur. Mais quand c'est au culte, tu dis non, je ne veux pas paraître bizarre. Parce que ça, si ça se trouve, le voisin qui est à côté de moi, il ne connaît pas ces choses. Mais c'est justement pour ça que tu dois parler en langue. Et nous allons le voir. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour nous consoler, nous. Ouais, papa est bon, il prend soin de nous. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'il souvient des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il souvient quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et il publiera que Dieu est réellement au milieu de vous, rapidement pour aider. Alors, il dit que quand on prie abondamment en langue, nous allons maintenant basculer dans la prophétie et les gens vont être confondus. Alléluia. Ça commence toujours par le parler en langue. Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez? Écoutez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue? Que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Vous voyez, ça c'est dans quand on est ensemble. Quel verset? 28. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Soulignez qu'on se taise. Et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et ça, ce n'est pas les ministères de prophètes, c'est ceux qui prophétisent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous, vous avez vu ça? Tous, hein? N'est-ce pas? Vous pouvez tous prophétiser, mais successivement, afin que tout soit instruit et que tout soit. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. C'est ce que j'étais en train de dire. Quand ça chauffe là, tu peux maîtriser ça. Alléluia. On fera des ateliers pratiques pour aider ceux qui ont besoin. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Verset 34, que les femmes se taisent. C'est pour ça que le Seigneur m'a dit de lire ça. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. De quoi Paul est en train de parler? Que les femmes se taisent? Ça veut dire que les femmes ne doivent pas prophétiser? Hein? Actes chapitre 1.
Verset 12. Verset 13, acte 1, 13, 14. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec qui? Et Mère de Jésus et avec eux. Aha. Vous savez qu'ils étaient 120 dans la chambre haute. 120 moins 11, 10, 11 apôtres, ça fait combien? 109, n'est-ce pas? Moins quelques frères de Jésus. Maximisons qu'ils étaient 5, ça fait combien? Et on dit avec les femmes. Il y avait combien de femmes? Parmi les 120, plus ou moins 100. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Les femmes n'étaient plus là. C'est ça? Tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Les femmes n'étaient pas là. Et se mirent à parler en d'autres langues, sauf les femmes. C'est ça? Que les femmes se taisent, non? Selon que l'Esprit leur donne. Donc, ma soeur, tu as le droit de prophétiser dans cette assemblée. D'accord? Mais si tu es dans un milieu où il est malséant à une femme ou une jeune fille d'adresser la parole au mari d'autrui ou au frère d'autrui, respecte ça. Vous entendez? Voilà, c'est de ça qu'il parle. N'utilisez pas l'onction comme prétexte de devenir désordonné dans la société. Si vous êtes dans un milieu où une femme ne doit même pas serrer, un homme ne doit même pas serrer la main à une femme d'autrui, respecte ça. Oh non, mais j'ai une parole de consolation à lui donner. Dis à un autre frère qui va lui parler. Tais-toi. Tu m'entends? Vous m'entendez? Amen. Jeune frère, tu connais une sœur dans l'église qui est dans le besoin. Tu veux l'aider. Donne au pasteur femme. Il dit, c'est pour telle sœur. Et tu fais ça anonymement. Amen. Ça s'appelle la sagesse. Amen. Vous comprenez ça? Amen. C'est de ça que Paul parle. Je l'ai dit simplement parce que j'ai senti que je devais le dire. Parce que comme je vous ai exhorté à lire 1 Corinthiens 14, certaines sœurs auraient lu à la maison et elles seraient bloquées ici. Si tu as une prophétie, donne-la, dans l'ordre. Amen. Amen. Que la femme se taise dans 1 Corinthiens 14 s'applique à autre chose. Parce que dans acte 2, les femmes ne se sont pas tues. Le jour de la résurrection, les femmes ne se sont pas tues. N'est-ce pas? Elles ne se sont pas tues. Hein? Alléluia. Donc, si nous voulons entretenir l'esprit au milieu de nous, nous devons considérer nos dirigeants. D'accord? Et les dirigeants doivent être des dirigeants selon la parole de Dieu. Nous devons vivre dans l'amour les uns avec les autres. Tu connais un frère qui est dans le désordre ou une sœur? Avertis-le. C'est de l'amour, d'accord? Tu connais l'un d'entre nous qui est abattu? Parle à Dieu. Jusqu'à ce que tu aies une parole de consolation. Ne viens plus jamais aux réunions pour être encouragé. Viens pour encourager.
Parce qu'il y a plus de bonheur à... Imagine si chacun se prépare pour venir à la réunion. Si chacun se prépare comme ça. Imaginez le niveau du feu de l'esprit au milieu de nous. Vous vous rendez compte, n'est-ce pas? Voilà. C'est en pratiquant simplement la parole de Dieu que la gloire de Dieu va se manifester de manière extraordinaire et Dieu est en train de se préparer à faire de grandes choses. Alléluia. Rendons grâce à Dieu et nous allons passer à la table du Seigneur. Parle au Seigneur, parle-lui. Dis au Saint-Esprit que tu veux l'honorer, que tu as besoin que son feu et que sa lumière soient entretenus tous les jours dans ta vie et au milieu de nous. Seigneur, que ton feu et ta lumière soient fortes au milieu de nous. Garde-nous d'être une église froide. Garde-nous d'être une église aveugle. Nous voulons être éclairés tous les jours par toi, par ta parole. Garde-nous de devenir tièdes. Seigneur, que nos cœurs restent brûlants, passionnés pour toi. C'est toi qui as répandu l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et nous avons besoin de toi pour conserver le feu de ce premier amour. Et je prie pour que ce feu du premier amour ne soit pas porté simplement vers toi, mais qu'il soit exprimé et manifesté les uns avec les autres. Caïn, le meurtrier, t'a dit, après avoir tué son frère, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Nous ne voulons pas parler ainsi. Nous ne parlons pas comme Caïn. Je sais que tu comptes sur nous pour veiller les uns sur les autres, dans l'amour, avec respect. Aide-nous à nous sentir responsables les uns des autres, veillant les uns sur les autres, priant les uns pour les autres, nous soutenant, nous réconfortant, nous édifiant, nous exhortant, nous consolant chaque jour. Et nous avons cette assurance que l'en suivant simplement la démarche que ta parole nous révèle, ce que tu as dit va s'accomplir. Ce que tu as dit va s'accomplir. Ce que tu as dit va s'accomplir. Car tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Tu es la vérité. Et tu ne dis que la vérité. Et tes paroles sont vérité. Tes paroles sont esprit et vie. Qu'elles agissent au milieu de nous. Qu'elles agissent au milieu de nous. Saint-Esprit, ne t'éteins jamais au milieu de nous. Ne t'éteins jamais dans nos vies. Seigneur, enflamme-nous chaque jour. Éclaire-nous chaque jour. Et que ta gloire dans nos vies soit toujours plus grande chaque jour. Emmène-nous de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Ranime ce qui commençait à se refroidir. Nom de Jésus. Fortifie ceux qui commençaient à s'affaiblir au nom de Jésus. Redonne de l'assurance à ceux qui commençaient à douter au nom de Jésus. Chasse la timidité du milieu de nous au nom de Jésus. Chasse l'indifférence du milieu de nous au nom de Jésus. Chasse l'égoïsme du milieu de nous au nom de Jésus. Oh, alléluia. Mais que ton amour trouve sa place dans notre cœur. Que nous nous aimions les uns les autres comme des frères. Car c'est ce que nous sommes vraiment. Tu es notre Père. Nous sommes frères et sœurs. 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 Éclaire-nous chaque jour. Fortifie, Seigneur, nos leaders, nos responsables. Donne-nous d'avoir pour eux de la considération, d'apprécier leur travail, d'accepter leur direction. Et d'écouter leurs exhortations. Donne-nous de leur montrer de l'affection.
de les aimer. Nous prions que tu les protèges, car ils sont souvent des cibles de l'ennemi. L'ennemi qui veut que ta parole soit rare au milieu de nous, que les visions soient peu fréquentes. Je prie pour nos pasteurs, pour nos anciens, pour les diacres, les responsables à tous les niveaux. Seigneur, qu'ils ne perdent pas leur acuité spirituelle, ou que leur vue ne soit pas trouble, que la paresse spirituelle ne les envahisse jamais, mais que leur esprit reste éveillé et qu'ils restent zélés pour toi. Qu'importe ce qu'ils traversent dans la vie, que ta parole et leur ministère soient toujours la priorité. Donne-leur la force de puiser chaque jour leur force en toi. Je prie pour les parents qui sont ici, car ils ont aussi un rôle à jouer dans les familles. Fortifie-les. Fortifie les parents. Donne aux enfants de leur montrer de la considération. Donne aux enfants d'avoir pour eux beaucoup d'affection et de respecter leur sacrifice, leur travail, leur éducation, leur œuvre. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. L'Esprit est en train de dispenser maintenant ce que je pourrais appeler le magnétisme de l'amour. Vous allez vous sentir proches les uns des autres. N'en doutez pas, c'est l'œuvre de l'Esprit. L'œuvre de l'Esprit, il nous rapproche les uns des autres. Il nous rapproche les uns des autres. Il nous rapproche les uns des autres. Il renouvelle l'amour dans nos cœurs, les uns pour les autres. Il renouvelle l'amour dans nos cœurs, les uns pour les autres. Les uns pour les autres, les uns pour les autres. Tu es en train de voir une image d'un frère ou d'une sœur. C'est une direction pour que tu pries pour elle, pour que tu pries pour lui. Il a besoin de ta prière. Peut-être que tu n'auras jamais rien à lui dire, mais ta prière va l'aider. Car il y a beaucoup de luttes, il y a beaucoup de difficultés. Tu ne sais pas ce que ton prochain est en train de traverser. Mais si l'Esprit te demande de prier pour lui, prends le temps. Prends le temps. Prends le temps et combat pour lui. Couvre-le. Intercède pour lui. C'est comme ça que nous nous protégeons les uns les autres. Que nous nous soutenons les uns les autres. Que nous veillons les uns sur les autres. Et je prie qu'il en soit ainsi. Partout où le nom de Jésus est célébré. Que l'amour authentique soit expérimenté dans chaque assemblée, dans chaque église. Que les pasteurs, les leaders soient honorés, respectés, considérés. Et qu'ils soient sérieux dans leur engagement. J'appelle l'amour fraternel, la communion fraternelle dans toutes les assemblées de cette nation au nom de Jésus. J'appelle le miracle de l'amour fraternel au nom de Jésus. J'appelle le miracle de l'amour fraternel au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a un renouvellement maintenant. Dans la prière en langue, il y a un renouvellement. Il y a un renouvellement, il y a un renouvellement. Car tout part de là, tout part de là. Tout part de là. Dieu veut que chacun de ses enfants sache s'édifier, sache lui parler, sache s'édifier, sache lui parler. Il y a un renouvellement maintenant au nom de Jésus. Il y a un renouvellement maintenant. Il y a un renouvellement maintenant, maintenant. N'aie plus honte de prier en langue. Prie abondamment en langue. Prie abondamment en langue. N'en aie plus honte, n'en aie plus honte. Car c'est un secret, c'est une bénédiction extraordinaire. Une bénédiction extraordinaire. Une bénédiction extraordinaire qui attise le feu de l'Esprit en toi. La lumière de l'Esprit en toi. Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Oh, Rendako Sente Prani Ramache Dereke. Zikranto Robo Shenterege. Yebni Rakunta Branadia. Oh, Zikranto Taregamande. Leberemanto Tarago Shenteria. Ubranti Roko Sante Terebande. Lebra Conta Mirego Shada. Irascono Manakeria Teredagoma. Labante Kotere Nede.
Devranigo Salikama, la Zekente Lebe, l'Iramonto Koboshade, les Eltebrina Korianda Baragonte, et Sekete Rimanto Bradi Bradi Bradi, les Kamanto Rabadayo, O Rande Kanyunta Pere Shaparagande, O gloire, gloire, Alléluia, Ressando Barikante Prena Koriamande, O gloire, Alléluia, Ramande Bosheregante. Irabako Ramasante Rede, Yendere Kariako, Rabashente Yako. Maintenant, prie doucement en langue. Continue en langue, mais prie doucement. Doucement, O Sherede, Yendarabako Saragante, Ikarabasante Rede, Lobrana Kiriako Rabasante Reka. Guéris ceux qui doutent, Seigneur. Guéris ceux qui doutent. Guéris ceux qui doutent. Orama Selia Korana Dada. Sinta Brena Tora Kashanderebo Yasinta Karamai. Ebrana Koriandara Bashara Dada. Il embrasse ta langue comme pour Esaïe. Comme pour Esaïe. Il y a une braise qui vient de l'autel pour embraser ta langue. Oh! Afin que ta bouche devienne une source de vie. Une source de vie, une source de vie. Oh mon enfant, tu es un puits. Les paroles de vie sont pleines en toi. Les paroles de vie sont pleines en toi, mon enfant. Je t'ai choisi pour édifier. Je t'ai choisi pour exhorter. Je t'ai choisi pour consoler. Livre-moi ta bouche. Livre-moi ta langue. Livre-moi ta bouche. Livre-moi ta langue. N'aie pas peur de parler différemment des autres. N'aie pas peur de parler différemment de ton entourage. N'aie pas peur de changer de langage. N'aie plus peur de parler comme un fils de Dieu. N'aie plus peur de parler la parole de Dieu. Oh, Alléluia. Yébrana Koria Santé. Labo Chatier. Zigamon Tabarage. Yente de Gare. Oh, we love you. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Nous t'aimons, Saint-Esprit. N'hésite pas à demander pardon pour les paroles blessantes que tu as proférées. N'hésite pas à réparer ça. Ta bouche n'est pas pour blesser. Elle est pour guérir. Elle n'est pas pour blesser. Ta bouche n'est pas pour détruire. Elle est pour édifier. N'hésite pas. Jésus, le chemin, mon chemin est ton Dieu, veille à la vie.